Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter ensemble le numéro 5 du Titanic. Dans le 5e, il n'y a pas grand chose à faire non plus. Donc, voici, je vais montrer déjà le numéro 6. Donc, il sera dans 2 semaines, donc début mars à peu près. En attendant, on ne va pas utiliser. Non, pardon, c'est le numéro 6. Donc, je pense pas qu'on va utiliser ça encore. On va dans le numéro 6, il y a la section 1 de la coque à tribord, des tiges, des soupapes, des connecteurs et les vis. Voici pour le numéro 6. Alors, qu'est-ce que cache mon fascicule? Pas très intéressant. Voici donc le montage. Là, je vais vous montrer. Donc, les tiges, ils sont là. Il y avait ça. Voilà. Ça est évidemment cette pièce-là. Là, je l'ai vu juste avant la vidéo. Vraiment très bonne qualité, très belle finition. Bon, il y aura encore sûrement des critiques hein, qui vont avoir lieu bientôt sur la pièce, mais bon, chacun a fait son avis. Mais ça ne va pas utiliser dans ce numéro. On va le mettre sur le côté. On met ça ici, hop. Et enfin, donc, la suite et la partie finale. Alors, allez. On va commencer, on va prendre cette pièce là, ça va. On va mettre hop, comme ceci avec les tiges, les tétons vers ce côté là. Je sais pas comment vous dire ça. Ensuite, on va prendre cette tige là, celle-ci et celle-ci. Il y en a 4. Alors, ce qui nous demande dans le fascicule, c'est que. Alors, regardez bien déjà, il y a deux côtés, un plus gros et un plus petit. On va servir du plus gros qui est juste là. Et on va mettre ces pièces-là dans les petits raccoins ici, là, là et ici. De cette façon-là, comme ça. Allez, voilà. Et on fait pareil donc. Pour les autres, hop. Voilà. Voilà donc le résultat. Hop, on met ça là. Ensuite, on va prendre celle-ci et celle-ci, ah, vous voyez pas, ces deux pièces-là, voilà, et on va les mettre à l'aide avec une pince ou comme ça, bon, ça va aller, tu sais, bon, c'est les mêmes côtés. Hop, elle est où? Voilà. Ouais, c'est les mêmes, regardez bien, c'est vraiment les mêmes côtés ou quoi, impeccable, ouais, donc on peut les mettre dans n'importe quel sens, ouais. Alors, et celui-là, on va tout simplement retourner cette pièce-là, comme ceci, avec les tiges vers le haut. Et vous mettez donc celui-ci. Je me trompe, une ici. Et l'autre à côté. Voilà. Donc voilà le résultat. Elle était posée une façon de. Voilà, donc pour ça,
Je montre ces fascicules, hop, ce qu'il nous demande exactement. Voilà. Comme j'ai procédé à l'instant. Et enfin, on va prendre ces deux pièces-là, les deux dernières. On va prendre une, hop, et on va les enfiler. Hop, regardez bien, il y en a deux. Donc, ce petit-là, celui-ci, il va être coincé ici. Et le plus gros, au milieu. C'est ça? Ah oui, alors attendez, hop, vers le haut, putain, comme ça. Voilà, ce sera plus simple. Donc, je répète, le plus petit, qui a celui-ci, le plus petit, là. Si le téléphone réagit, ça serait pas mal. Voilà. Le petit qui est là, il va aller au milieu, là. Et le gros, ici. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Non, il n'est pas encore mis. Et toi? Il n'y a pas une pince, monsieur. Alors, excusez-moi. Alors, voilà, comme ça. Hop, voilà, voilà, comme ça. D'accord. Et on fait pareil avec l'autre, le deuxième à côté. Et voilà. Voilà donc pour le résultat final. Vous voyez pas là. Hop. Voilà. Je vais approcher un peu plus. Donc voilà. Pour le numéro 5 du Titanic. Donc il y a ça et hop, la coque qu'on n'a pas touchée. Dans ce numéro, voilà pour le numéro 5 du Titanic. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine, ça sera sûrement le numéro 22 de la moto de John Hallyday. Je la passe quand même. Et ensuite, c'est le véhicule léger des sapeurs-pompiers, le numéro 5, qui sera projeté sûrement début semaine prochaine. Donc, merci d'avoir suivi et à très vite. Salut!